Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le clavicorde acquis par le Conservatoire de Nice cette année. Il a été réalisé en 2022 par le facteur Gregor Bergmann, résident à Leer, en Allemagne. Les élèves peuvent désormais bénéficier de ce nouvel instrument. C'est un instrument à cordes frappées, inventé à la même époque que le clavecin, vers la fin du XIVe siècle. Sa mécanique est simple, son toucher exigeant permet d'améliorer la technique et la musicalité sur tous les autres instruments à clavier, le clavecin, l'orgue et le piano. Voici deux exemples historiques mettant en avant les qualités pédagogiques du clavicorde. En 1511, Sébastien Wirdung écrit dans son traité Musica getoucht, je cite, « Commencez par l'étude du clavicorde, ce que vous y aurez appris vous permettra de jouer bien et facilement sur l'orgue, le clavecin, le virginal et tous les autres instruments à clavier. » En 1753, Carl Philipp Emanuel Bach s'exprime de façon similaire dans son traité sur la manière, la vraie manière de jouer des instruments à clavier. Je cite, « Celui qui joue bien sur le clavicorde sera aussi un bon claveciniste, mais l'inverse n'est pas vrai. » J'invite tous les élèves intéressés à me contacter. Maintenant, j'interprète un extrait d'une sonate de Joseph Haydn et je vous souhaite beaucoup de plaisir à écouter le clavicorde. Thank you.
Thank you.